Salut à tous, moi c'est Morgan et Last Fantasy, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo en extérieur, on va se faire plaisir avec notre ami le Motion Controller. On va le tester, on va voir un peu comment ça marche. Bien évidemment, vu que je suis un gros malin, j'ai pas encore fait la mise à jour et l'activation, hein, donc on va le faire ensemble et on va voir comment ça se passe. Et surtout avec un peu de bol, j'ai peut-être tombé sur quelqu'un qui ne sait pas piloter un drone et qui a envie d'essayer le pilotage le plus naturel normalement et le plus intuitif qui soit. Allez, on va voir ça tout de suite. On va déjà démarrer tout ça avec le magnifique bruit du JFPV. Pourquoi ? Je vois vraiment pas ce que vous avez voulu faire là. Alors, lui, il a du mal. Ok. Normalement, si je fais... Lui, il clignote. Et bon, on dirait que ça marche. Ok. Donc là, on vient de brancher notre motion controller. On vient de le bind avec le drone en lui-même. Les lunettes les reconnaissent, mais il demande l'activation. Donc pour ce faire, il va nous falloir l'application G-Fly. Donc là, dans les lunettes, on se retrouve avec la demande pour le G-Fly. Donc on va prendre notre câble OTG et notre téléphone. Une fois votre téléphone branché, vous avez le droit donc... C'est super, il n'y a que des reflets. Mais en gros, il me demande aide d'activer. Donc là, c'est à peu près la même chose qu'on a fait la dernière fois pour activer le drone en lui-même. On accepte les règles, on confirme l'adresse email, bien évidemment, et l'activation est terminée. Et on lance la mise à jour. Bon bah, 40% d'un coup. Ça fera peut-être pas 38 minutes comme la dernière fois. Quoi, bip bip? Sinon, ça va? Il fait beau, nous, chez nous, pour une fois. Je trouve qu'il fait beau, mais encore frais, mais beau. 44%. Enfin, c'est des pourcents Windows, par contre. Je crois que ça a bipé. Non, c'est encore en train. Ok. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. Donc elle se présente vraiment de façon toute simple. Vous avez un gros bouton qui sera le brake bouton, le petit stop, vous savez, qui peut arrêter le vol pour le mettre en stationnaire. Vous avez le bouton lock, donc vous avez les indications sur le côté. Le bouton lock, vous appuyez deux fois et normalement le drone démarre. Vous avez les modes, le tilt pour votre gimbal et une jolie gâchette. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement, il faut faire comme ça. Tu la vois la caméra? Ça réagit pas mal. C'est rigolo. Comment on le pose? Ok. C'est vraiment bidon. On va voir un peu ce que ça donne en volant. C'est pendouillé. On sent l'organisation du bonhomme. Il galère pas du tout, c'est ça qui est bien. Et ceci est un professionnel, messieurs dames. En fait, on a l'impression de piloter un avion de chasse dans un jeu vidéo. Non, c'est super fun. Honnêtement, c'est fun. Et en fait, ce qui est super bizarre, c'est qu'on a donc l'accélération ici. En gros, quand on presse sur la gâchette, le drone accélère et avance. Quand on pointe vers le bas et le haut, en fait, on contrôle la caméra. Donc là, le bouton stop est là. Donc là, en baissant, en fait, je contrôle la caméra et j'ai un petit rond avec une croix et je déplace le rond pour lui dire où aller. Donc là, j'arrive. Et oh là là, j'ai peur! Voilà, le bouton stop, comme d'habitude, qui va juste mettre pause sur le vol. On appuie dessus, et on peut repartir. Non, c'est vraiment sympa. Donc, quand on lève le stick comme ça vers le haut, on monte la caméra, et en fait, le drone prend de l'altitude avec. Quand on penche sur le côté, on fait tourner le drone. Donc, plus on le penche, plus le drone se penche, vraiment comme un avion. C'est vraiment... Ouais, c'est...
C'est intuitivement bizarre. On va voir jusqu'où on peut partir. Oui. On va voir si ça va faire des plans un peu cinématiques ou pas du tout. On va remonter parce qu'on s'approche un peu trop du village. Donc là, dans les lunettes, encore une fois, moi j'ai un joli H pour me dire d'où j'ai décollé. Bon, après, c'est pas évident de le rater, hein. C'est quand même une grosse Sainte Vierge. Donc là, je suis en mode normal, théoriquement. Mode sport, pour aller un poil plus vite, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, effectivement, il se lâche, ouais. Donc le roulis, on penche du côté, le lacet, ben, on incline le poignet. Et quand on met les deux, on fait vraiment des beaux virages, un peu comme en FPV classique. C'est vraiment... Hein, c'est sympa. C'est super sympa. Sachant que le lacet ne fonctionne quasiment pas, il fonctionne vraiment à l'arrêt. Donc si là maintenant je m'arrête, je peux m'amuser à viser le sol et grâce au lacet à faire tourner le drone. Par contre en volant, c'est vraiment le roulis qui fait un mix de roulis et de lacet. On se retrouve avec le drone qui penche bien dans les virages. C'est super sympa. Quand on monte, on lève la caméra et le drone se dirige vers là où on est en train de pointer. Quand on descend, ben, l'inverse. C'est vraiment super intuitif. Alors, faut quand même faire gaffe parce qu'on se retrouve quand même avec... avec les arbres qui sont pas très loin, on peut pas monter tout droit en fait, ça c'est le seul truc que je reprocherais. Il faut vraiment pointer vers le haut et mettre des gaz pour avancer. Donc là je vais revenir me poser puis on va essayer de trouver quelqu'un. Bonjour petit drone. Donc honnêtement, la prise en main est vraiment super sympathique. C'est un peu étrange au départ, mais c'est plaisant. Et c'est vraiment marrant pour voler. On va essayer de trouver quelqu'un qui passe par là, par inadvertance. Ah bah, mademoiselle, vous avez pas envie d'essayer de voler un drone? Allez, pourquoi pas? Allez, on va voir ça. Donc, le gros bouton panique, c'est le gros gris. D'accord. Double coup sur le petit rouge, tu armes le drone. D'accord. Restez appuyé, il décolle. D'accord. Et ensuite, quand tu veux avancer, t'appuies. Si tu veux plus avancer, tu lâches. D'accord. Et lui, il va suivre ce que t'as à lui dire. Donc là, le seul truc, c'est qu'une fois que tu vas démarrer, on a quand même une petite haie avec des petits arbres là qui sont pas loin. Donc au démarrage, quand tu vas avancer doucement, tu tires bien le joystick vers le haut pour qu'il passe au-dessus. Une fois que t'es un peu éloigné, tu peux t'amuser. T'es dedans ? Oui. Tu vois la croix ? Oui. Tu vois le rond ? Le rond, c'est ce que Ah, le rond, oui. Ouais, le rond, c'est ce que tu pointes. Oui. D'accord ? Donc pour aller en haut, tu vas devoir mettre le rond vers le haut. Pour aller en bas, tu mets le rond vers le bas. Et si tu regardes, normalement, ça fait bouger la caméra. La caméra, non. Alors, pas quand il est en vol, ça c'est bien, c'est une sécurité. Donc là, on va d'abord armer le drone. Donc, tu appuies deux fois sur le petit bouton rouge qui est... Ouais, ici. Clic, clic. Voilà. Maintenant, tu vas rester appuyé dessus, il va décoller. Tu touches plus. Voilà. Normalement, en bas à gauche de tes lunettes, il y a un N pour te dire que tu es en mode normal. Ouais. Voilà. Donc là, si tu appuies sur la gâchette, il avance. Ouais. Si tu relâches, il s'arrête. Plus. Ok. Si tu flippes, tu appuies sur le gros bouton. Donc moi, je te conseille de laisser le doigt pas loin. Ouais. Quand tu tournes, ton poignet, il tourne sur lui-même. À l'arrêt, si tu fais au bas, il lève la caméra. D'accord ? Et si tu penches, bah, il tourne très vite. D'accord ? En gros, c'est un peu comme quand nous, on se penche pour pouvoir tourner. Donc là, tu vas partir vers les arbres, donc il faut monter en avançant. Donc tu vas appuyer tout doucement sur ta gâchette, bien tirer le joystick en arrière. Pas fort, moins fort, moins. Ah, tranquille, vol pépère. Vas-y, monte, continue. Tends un peu le bras aussi, garde-le au bout. Voilà, pas contre ton corps, ça va être chiant. Ah ouais, on appuie un peu plus fort, on continue de monter. On sent l'expérience du moniteur auto-école. Et du formateur drone. Donc là, t'es à peu près au-dessus des arbres. Voilà. Donc si tu veux regarder autour de toi, bah, c'est tout simple. Tu tournes et puis tu regardes un peu où t'es. Tu peux même baisser pour voir si t'es au-dessus des arbres en baissant. Tu vois, tu baisses ta caméra. Ouais. Là, tu sais à peu près où t'es. Donc là, tu peux partir. Essaye de ne pas passer trop près du village. Hein. On n'a pas le droit de voler au-dessus des agglomérations, n'oubliez pas. Je suis professionnel, mais j'ai pas déclaré de vol. Donc c'est-à-dire que moi, je suis coincé hors aglo, comme tout le monde. Ok, toi tu pars direct vers les arbres. Ouais, c'est. Derrière là. Oui, il y a des arbres par là-bas. Alors tu vas voler par là. C'était bien. Là. Allez, monte. Mais je voulais faire le tour de la Vierge. Non, il y a des arbres derrière, il y a une Vierge. Non, tu t'entraînes déjà dans le rien. C'est le principe. Quand on s'entraîne à voler, on vole dans le rien. On vole pas autour de choses. Donc moi, ce que j'apprécie avec le G-Controller, c'est vraiment le côté intuitif de la chose. On peut vraiment voler et se faire plaisir avec.
qu'on ait de l'expérience ou pas. Bon, tiens, je vais prendre un petit peu de hauteur. Tu le pètes, je te piquerai 1500 balles, c'est pas grave. Donc voilà, c'est vraiment le côté intuitif du G-Motion Controller. C'est vraiment quelque chose qui est super simple à prendre en main. Il n'y a pas beaucoup de boutons, on n'est pas perdu. Et le fait justement que ça détecte les mouvements qu'on fait avec son poignet, on n'a pas forcément tous l'habitude de voler sur un simulateur de vol, de jouer à Elite Dangerous ou Flight Simulator, mais on sait comment ça fonctionne un avion. Je veux dire, c'est devenu suffisamment mainstream et suffisamment normal dans notre société pour qu'on sache tous à peu près comment ça marche. On le sait, il y avait plusieurs entreprises qui essayaient d'en développer. Là, chez DJI, ils ont réussi à sortir quelque chose qui est facile d'accès, facile d'utilisation et visiblement fun, puisque oui. C'est la première fois que madame pilote en FPV, mine de rien. Je lui ai déjà donné un Mavic entre les mains, hein, donc le truc vole tout seul et vous le baladez un peu à gauche à droite. Enfin, dans le Mavic, tu m'as donné la télécommande, mais j'ai rien fait avec. Enfin, la radio, j'ai rien fait avec. En fait, j'ai fait le tour de la Vierge sans souci, voilà. Hein, tu vas le mettre en mode sport? Non. Donc ça, c'est le gros défaut, je pense. C'est un peu, enfin, le gros défaut, oui et non. C'est que vous êtes bloqué en mode normal et en mode sport. Donc pour changer de mode, il y a le petit bouton mode. Hein. Vous avez juste à appuyer dessus et ça passe de normal à sport, de sport à normal. Il n'y a pas de mode manuel. C'est peut-être trop compliqué à gérer en mode manuel, je ne sais pas. Moi, j'aurais vraiment kiffé qu'on puisse mettre les gaz à fond, tirer le joystick en arrière et faire un looping comme en avion, quoi. C'est fun. Donc attends, je vais faire un truc. J'avance un peu plus vite. Et là, je me dis, oh là là, j'ai peur. Mais il s'arrête. C'est trop fort. Donc là, tu peux faire ce que tu veux. Tu ouais, contrôles la caméra, normalement. Même pas, je crois que tu contrôles rien du tout. Je contrôle rien. Il est vraiment en pause. Là, il est en mode stationnaire, il ne bouge plus. Ah, j'ai fait pause sur le jeu. Hein. Non, mais c'est ça. Tu fais pause sur le jeu. Et si tu veux repartir, tu rappuies dessus. Et c'est parti. Alors ils sont gentils, ils ont pas mis un menu, genre options, paramètres, où sont les points de vie, sauvegarder. Ce serait bien ça. Non, les points de vie, c'est la batterie d'à côté. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de mana. On n'a pas comment on atterrit. T'as plus envie de voler? Hein? T'as plus envie de voler? Bah j'ai un peu froid la main. D'accord. Alors t'avances, en visant vers le bas, comme ça on le descend un peu. Alors c'est très chiant parce que toi tu vois pas ce qu'il y a autour, d'accord? Ouais. Il faut que tu te serves du drone normalement. Ouais, attends, ouais. Bouge plus. Tourne sur ta gauche. Encore. Avance un peu. Avance. Voilà, et là tu restes appuyé sur le petit bouton rouge que tu as utilisé au départ. Putain, je t'entends. Celui d'en haut, en haut, en haut. T'es en mode là tu viens de le mettre en sport. Merde. Hop, voilà. Et tu restes appuyé. Voilà. Reste appuyé là. Ouais. Je sais pas si c'est normal qu'il y ait plein de trucs qui clignotent, mais... Ah si, pour te dire qu'il est en train de se poser. Ok. Voilà. T'es rigolo. Tu peux les enlever maintenant, je pense. Attention à la lumière du soleil. Voilà, on a fait ça en extérieur, donc on a même demandé à quelqu'un qui n'a jamais piloté en FPV d'essayer ce magnifique motion controller. S'il y a une conclusion à donner, elle est plutôt simple. Ce n'est vraiment pas un ajout obligatoire, donc si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Par contre, c'est vraiment un jouet super fun. Donc c'est super sympa, le pilotage est marrant, vous êtes coincé en mode normal et en mode sport, mais je pense que ça aide quand même pour les débutants. C'est vraiment sympathique, on peut peut-être même réussir à faire quelques plans. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super fun, qui est super sympa. Moi je vous invite à l'essayer, si vous connaissez quelqu'un qui l'a, n'hésitez surtout pas. Au niveau du bind, c'est tout bête, on reste appuyé 5 secondes sur la batterie du drone une fois qu'il est allumé. On reste appuyé 5 secondes sur notre joli bouton power qui est ici. Les deux vont se connecter. C'est que du DJI, honnêtement, là-dessus, il n'y a vraiment rien à redire. Donc, est-ce que c'est game changer? Je ne sais pas. En tout cas, c'est super fun, c'est vraiment marrant. Et je suis vraiment impatient qu'on arrive à sortir quelque chose comme ça pour pouvoir piloter en manuel. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et je vous invite à visiter ma boutique Spreadshirt, mon Patreon, mon PayPal. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas, moi ça me fera super plaisir. En tout cas, merci à tous encore une fois d'avoir regardé. Et puis, amusez-vous bien. Allez, ciao les pilotes, bon vol.